Salut les amis, bienvenue dans le mysticisme ardennais. Je vous emmène non pas dans les entrailles de la terre, mais dans les entrailles du fort de Charlemont à Givet, un patrimoine historique exceptionnel sur un piton rocheux dominant la Meuse qui se transforme pour ce week-end d'Halloween en atmosphère complètement exceptionnelle avec des sorcières, des monstres, tout ce qui produit du maléfique, et bien vous allez l'avoir ici. Dans les dédales des couloirs du fort de Charlemont, je vous montre à l'image une salle tout à fait exceptionnelle et magique, avec une atmosphère pesante. On est dans une secte véritablement imaginée par la team du fort de Charlemont à l'occasion de cet Halloween 2023. Et ce n'est qu'un petit bout de la lorgnette que l'on vous montre, puisqu'on va parcourir un petit peu ce fort de Charlemont, ce parcours hanté. On va vous présenter ce week-end absolument incroyable en compagnie de Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour Olivier. Alors, avec ton équipe, eh bien, vous avez encore mis les petits plats dans les grands pour cette Halloween 2023. On vient de voir cette salle inédite. Présente-nous le menu de ce week-end assez exceptionnel. Un week-end terrifiant. Voilà, Charlemont fortement terrifiant cette année. L'idée, c'est de changer les parcours, de se renouveler, de proposer toujours des nouveautés au public et d'être toujours aussi effrayé. Eh bien, on va emprunter un couloir ici pour se retrouver dehors. Vous allez voir que ce fort de Charlemont, initialement, eh bien, c'était une forteresse qui abritait jusqu'à 2009 le premier centre commando de France, soyons fiers. Et désormais, c'est un site touristique et culturel animé par ton équipe, Audrey. Voilà, on se retrouve dans la cour avec l'hôpital de siège qu'on va apercevoir dans quelques instants. Ici, on est dans les coursives avec plusieurs salles. Ça fait combien de mètres carrés cet espace ? Alors, on a plus de 1000 mètres carrés entre les différentes salles, les salles de la cour haute, les salles de la cour basse, le parcours, toutes les salles qu'on a pu exploiter pour cet Halloween 2023. Des sorcières, des monstres tout aussi affreux les uns que les autres. C'est destiné aux adultes ce week-end, mais aussi aux enfants, bien entendu. Et oui, aux enfants, on a un parcours qui fait peur pour les adultes et on a un parcours pour les tout-petits sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles, qu'on aime bien rebaptiser Charlie au Pays des Merveilles. C'est notre personnage fétiche ici. Et parmi les nouveautés que vous proposez, il y a cet accro-commando. C'est quoi ? Alors, en effet, 2023, c'était la nouveauté. C'est l'acro-commando, c'est de l'acro-pierre, de la via ferratia, des tyroliennes sur les remparts. Et cet acro-commando, on l'a vu aux couleurs d'Halloween, il y a des personnages terrifiants également. On entre dans les dédales hantés de ce fort de Charlemont. Vous le voyez à l'image, les décors, les costumes sont somptueux. Et puis là, il y a quelques salles où ça fait vraiment flipper. Hein. C'est ça. En effet, alors j'en rigole, mais je pense que le public... On rigole jaune. Hein. Le public n'en rigole pas. En effet, torture au programme, cabinet de curiosité... Salle à manger, abattoir et boucherie, tout va bien. Tous les ingrédients sont réunis pour cette Halloween, pour cette édition 2023. J'entends les cris dans cette salle. Alors j'essaie de regarder, je ne sais pas si la scène est soutenable. Mais en tous les cas, ils jouent très bien leur rôle, ils incarnent leur personnage. Ce sont des professionnels, des amateurs. Des amateurs, des bénévoles, des figurants bénévoles qui répondent présents chaque année. Pour nous accompagner sur ce week-end d'Halloween. Voilà le menu qui vous attend. Donc c'est aujourd'hui et demain ici à Givet dans la pointe des Ardennes, au fort de Charlemont, avec ce type pas très sympathique qui vient de m'accueillir. On va essayer maintenant d'aller dans cette salle, Audrey, pour voir ce qui s'y passe. Alors là, on a encore les couloirs qui nous amènent évidemment dans les différents espaces. Il y a le siège de l'hôpital qui est quelque part aussi. Alors on a l'hôpital ici avec différentes thématiques et une salle à manger dégoulinante au programme et au menu pour ce week-end.
incroyable. C'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit. Vous avez réussi à un pari fou de transformer toutes ces pièces qui initialement étaient occupées par des militaires, hein, je le disais, jusqu'en 2009. Désormais, c'est un site exploité sur le plan touristique et culturel. Beaucoup d'animations s'y développent tout au long de l'année. On peut dire aussi un petit mot sur justement votre vocation touristique. Alors, on est ouvert d'avril à octobre pour le tourisme et pour les locaux. Et on propose si bien des activités culturelles, des visites, que de l'escape game, du laser game, de l'acro-commando. Là, on a repris notre escape game, notre laser game et notre acro-commando, mais aux versions Halloween, bien sûr. On oscille entre l'effrayant et l'excitant. Et alors là, je suis dans l'optique d'aller faire encore un petit tour dans une salle. Et puis après, ça sera à vous de venir. Donc aujourd'hui et demain ici à JV pour profiter de ce week-end exceptionnel. Je te laisse passer, Audrey. On va aller juste au fond. Il y a des gens qui passent avec des yeux injectés de sang. Je trouve ça assez stupéfiant. Mais en tous les cas, on est bien plongé dans l'univers d'Halloween maléfique avec des sorciers qui se baladent, des têtes de sangliers ici, et c'est vraiment superbement bien fait. On va terminer sur cet espace glauque. Une petite boucherie. Je rigole, mais franchement, ça fait flipper. Suffit que la nuit tombe, et alors là, vous êtes vraiment plongé dans voilà. Une atmosphère spéciale. On a la chance ici au fort que le décor s'y prête parfaitement. Il n'y a pas grand chose à faire, juste quelques accessoires et des bénévoles et des figurants effrayants. Voilà, le menu est magnifique. Aujourd'hui et demain, c'est ici que ça se passe pour cet Halloween unique dans les Ardennes, dans ce fort de Charlemont, sur ce piton rocheux. C'est à Givet, on vous attend nombreuses et nombreux. Merci Audrey. Merci Olivier.